La 13e édition du renversement des principautés personnelles et familiales se poursuit dans la manifestation de la foi, une foi qui s'est matérialisée dès le premier jour par la tenue effective de la croisade. Croisade qui n'aurait pu se tenir sans la disposition des chaises, des bâches, de la sonorisation, de la décoration, en un mot, sans la logistique. Selon les responsables de ce comité, la mise en place de la logistique ne s'est pas faite sans difficulté. Nous étions déjà au 29 quand nous avons avisé notre partenaire qu'il fallait qu'il nous livre des bâches. Nous ne connaissons pas ce site et ne s'y sont pas plus tôt. En principe, si ils étaient venus auparavant visiter le site, ils allaient certainement quitter depuis Koumassi parce que les bâches venaient depuis Koumassi. Donc, je leur avais dit de soit venir la veille ou bientôt le matin. Bon, effectivement, le matin, ils ont pris le départ un peu tôt, mais malheureusement, ils ont pris un chemin plus compliqué. Plutôt que de passer par Angré, ils sont passés par Akko. Et il y avait, je crois, un accident là-bas. Donc, ils sont tombés dans un embouteillage. Donc, jusqu'à à très jeune, ils ne sont pas encore arrivés parce qu'ils étaient coincés dans un embouteillage. Donc, voilà, surtout ce qui a créé le problème de retard au niveau des. C'est la même chose au niveau du groupe électrogène. Et donc, vraiment au moment où tout le monde était réuni, on était déjà à 13h, au-delà de 13h, il fallait donc s'activer pour qu'on puisse ne serait-ce que lancer le programme. Et on était donc tous vraiment sous pression. Nous avons fait ce que nous pouvons et par la grâce de Dieu, nous avons pu lancer. Donc voilà un peu. Et au moment où on lance, en même temps nous continuons les travaux et nous voulons au fur du temps, améliorer toutes les conditions. Je veux dire merci au Seigneur qui nous a accordé la grâce de faire ce travail, d'avoir ce décor, parce que ça n'a pas été facile. Les choses n'étaient pas là à temps. La bâche n'est pas venue tôt pour qu'on puisse commencer le travail. Et hier, ça a été fait précipitamment. Et on a commencé à 5 heures. Et le Seigneur nous a donné de pouvoir faire quand même quelque chose. Et il y aura les affiches et autres. Quand nous allons partir au lieu indiqué pour la rencontre, ça c'est un endroit provisoire. Malgré toutes ces difficultés soulignées, rien n'a pu freiner l'optimisme de cette vaillante équipe. Au contraire, plus que déterminés, ils sont à pied d'œuvre pour faire réussir cet événement. Aussi, il est évident de souligner que c'est dans un décor provisoire que se tient la croisade. Elle sera délocalisée juste à quelques mètres les jours qui suivent sur un espace bien préparé et plus approprié pour la circonstance.